Comment ça se passe? Ça se passe très bien. Très contente. Très contente. Beaucoup de travail, hein? Non, mais c'est... on l'oublie le travail quand c'est ça. Oui, mais ce soir, ça sera tranquille. Ce soir, il y aura... Maïté sera une chaussette. Bon courage, Maïté. C'est là, je pense que c'est des images à garder vraiment précieusement. Avec Caroline. Bon, alors, comment ça marche? Présente-nous un peu ton nouveau... Ça va pas, non. Bah, présente-moi ce coffret. Non. Tu me présentes tout seul. Ah non. Tu es un grand garçon, tu me présentes tout seul. Ce livre-là, il a été tiré à combien de milliers d'exemplaires? Un exemplaire? Là, pour l'instant, en tirage limité. Très limité. Bon, je vais faire un petit tour du salon. Parfait. Alors, ici, les livres. Oui. Là, il y a d'excellents ouvrages. Oui. C'est les meilleurs du salon. Gilles Maribourg. Qu'est-ce que vous nous dites, monsieur? Monsieur, je filme, monsieur. Ah, vous filmez? Avez-vous une déclaration à faire? J'ai une extrême déclaration à faire. Ouais. Ben, alors, c'est le moment ou jamais. Voilà. Bon. Qu'avez-vous fait de votre canard gascon? Ah, je croyais que vous alliez faire une déclaration. Vous l'avez tué, votre canard gascon? Il est là, monsieur. Ah. Il est là, monsieur. Ah, très bien, monsieur. Je continue mon petit tour. Alors, Alain à la maison. C'est une jeune. Invité d'honneur. Mais je vous connais, chère madame. Mais moi aussi, jeune homme. Vous connaissez, cher monsieur. Ah, ben voilà, oui. Avez-vous une déclaration à faire? Oui, elle lit la tranche de Maurice. Je vais m'occuper de la tranche de Maurice. Super. Bon, je vais aller montrer l'exposition de Françoise Amadieu. Oh, mais qui voici que voilà. Toute seule dans son coin. Alors Françoise, comment ça se passe cette expo? Oh, ça se passe très bien, il y a foule. Ouais. On se bouscule. Oui, bon, d'accord. Alors on va montrer un peu ton travail. Commençons par là. C'est que des tableaux sur la lecture en fait. Hein. Sur la lecture ou les thèmes de conte. Oui, il y avait le petit poussé quelque part. Non, il y a là. Ça, c'est le petit poussé. Oui. Celui-là, c'est quoi? Là, c'est le chapeau rouge. Et après, c'est les attitudes de lecture. Attitudes de lecture, c'est magnifique. Oui, la personne a déclaré dans ce genre. Voilà. J'adore particulièrement celui-là, moi. Oui. C'est un vieux de la vieille. Mais je pense que la position est un peu dure à tenir en réalité. Oui, mais c'est le dessin, il est un peu caricatural en fait aussi. Oui. Le style est un peu caricatural. En fait, c'est un tableau de mes débuts, c'était plus stylisé des personnages. Voilà. Alors, nous reconnaissons le célèbre guitariste Martial Sanset et madame. Ah, la guitariste, ah oui. Retirez la face de Petit Loup Végétarien. Alors, bravo à tous les deux pour votre... Bien sûr, tout à fait. Bon, si on a le droit de dire deux mots, moi je voulais remercier Maïté parce que ça fait plusieurs années qu'on est présent sur ce salon. C'est Maïté et toute son association, bien sûr. Et elle a beaucoup de courage, beaucoup de ténacité pour faire vivre cet événement. Donc pour nous, c'est à chaque fois un plaisir de venir ici. C'est aussi un plaisir de rencontrer des nombreux auteurs. On a l'occasion de déjeuner à chaque fois ensemble et de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas. Donc je voulais passer ce message. Merci à Alain Lamaison qui est quand même l'invité d'honneur cette année et dont je vous encourage à lire ces livres que moi j'ai lus et dont j'ai pu parler dans le magazine Le Canard Gascon. Donc merci à tous d'être venus. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Donc à l'année prochaine en tout cas pour nous. Hein. Tout à fait. Merci. Oui, ben moi je voudrais te remercier aussi, remercier ton équipe d'avoir...
assez courageux voilà, de prendre les gens en amont et de leur donner une chance de se faire connaître aussi voilà, avant c'est d'être imprimé ou de se faire imprimer. Voilà. Bravo. Merci. Alors, je vais laisser la parole à Alain. Je vais juste conclure très rapidement parce que passer derrière tous les discours de ce matin et de cet après-midi, on n'a plus grand-chose à dire, tout a été dit. Juste vous remercier à tous d'être venus partager ce moment de bonheur, de paix et de convivialité. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et merci d'être venu. Alors, ce matin, j'ai fait un petit oubli également. Aujourd'hui, en fait, les 10 ans de la librairie Corbel, Françoise. Françoise. Mais oui, les 10 ans. Et oui, les 10 ans. Voilà, donc elle est partenaire de notre salon depuis le début, depuis 7 ans. Oui. Mais elle, ça fait 10 ans que sa librairie, qu'elle a repris le flambeau voilà. De M. Cabana. Mais je vais te laisser voilà. Expliquer. Voilà. Et oui, ça fait 10 ans que j'ai pris la suite de Robert. Et peut-être que dans 10 ans, je serai à nouveau là, encore là, j'espère, parce que Robert est toujours et encore et toujours avec moi, présent sur le stand et fidèle à ce salon lui aussi, puisqu'on aime bien venir ici. Bon, c'est très agréable. En plus, on mange de mieux en mieux, on disait avec. Merci aux dames de la cuisine. Tout à fait. Voilà. On félicite tous nos amis d'Ascan. Voilà. Et les autres. De cet accueil sympathique et puis un joli renouvellement, des gens sympathiques, des auteurs fidèles, des nouveaux, des petits jeunes. Le bonheur d'être libraire en Gascogne et ici en particulier. Merci. Merci. Voilà, donc je vous laisse continuer.